Salut et bienvenue sur la chaîne Jeune de la Téléphonie. Ce soir, je vais vous montrer l'outil qui va vous permettre de faire FRFE bypass des Android toutes versions. Voilà, ici, j'ai déjà l'outil, mais pour avoir l'outil, ne vous inquiétez pas, je vais laisser le lien dans la description. Voilà, donc vous déjà l'outil et vous essayez de décompresser. Voici le dossier. Voici le dossier après avoir décompressé qui se présente ainsi. Donc, tout ce que nous allons faire, nous allons chercher seulement à ouvrir le dossier et exécuter le setup. Voilà, donc ici c'est un logiciel très bon. Ce qui me plaît dans ce logiciel, tout est facile à utiliser. Voilà, on n'est pas obligé de faire toutes les complications ici. Donc ici, voici le setup. Voici le setup ici. Donc ici, vous pouvez exécuter directement le setup pour avoir accès à ce logiciel. Donc ici, regardez la vidéo du début jusqu'à la fin pour ne pas manquer à d'autres étapes. En tout cas, c'est un très bon logiciel et suivez attentivement. Donc ici, voici Untitled. Et là, le nom du logiciel, c'est Untitled. Nous sommes à version 4.6. Donc ici, si vous recevez ce message, appuyez seulement que OK. OK pour continuer. OK seulement pour continuer. Voilà. Je vous dis bien, ne vous inquiétez pas. Pour ce genre de message, ne vous inquiétez pas. Lorsque vous appuyez OK, automatiquement le message disparaît. Voilà, donc ici, nous allons patienter jusqu'à ce que le logiciel s'ouvre. Vous voyez ici, on dit Team Unter. Voilà, on est l'équipe de Unter. Donc ici, on continue. On continue. Donc nous allons patienter avant que le logiciel ne s'ouvre. Donc regardez, le logiciel est en train de se charger. Ok, donc ici nous allons arriver sur cette page. Tout ce que vous allez faire directement, appuyez sur login pour pouvoir continuer. Le login pour pouvoir continuer. Voilà, c'est un logiciel de libre droit. Donc ici les administrations nous ont déjà arrangé, nous dit no data, puis seulement que OK et puis continue. Voilà, regardez ici l'aperçu du logiciel ici. Vous voyez comment le design est joli. Voilà, branchable Samsung, LG, Pixel, ZTE, Motorola, Oppo, Xiaomi, Vivo, Huawei, puis les téléphones à poser Qualcomm. Vous voyez ici. Voilà, donc ici nous allons revoir les différentes fonctions de ce logiciel. Puis c'est ici à votre droite, ici vous avez le téléphone qui s'affiche avec la marque à l'intérieur. Lorsque vous choisissez soit Samsung, Samsung va s'afficher, LG, Pixel, ZTE, Motorola, Oppo, Xiaomi, Vivo ainsi de suite. Tout cela va s'afficher ici. Donc ici nous allons suivre doucement, pas à pas pour mieux comprendre sur le ciel et aussi connaître aussi quelles sont les performances de ce logiciel. Ok, donc ici on commence ici par FRP. On commence par FRP. Puisque nous sommes sur Samsung. Donc ici la méthode du bypass Samsung c'est par méthode de ADB, FRP ADB. Vous voyez ici, ça c'est uniquement que pour Samsung. Vous voyez. Donc ici, on continue avec d'autres fonctions. Donc ici, on va essayer d'actualiser un peu. On va actualiser aussi. On dit charger carrière. On continue ici, commande moderne. Nous avons des commandes aussi. Donc ici, regardez ici. Reboot download mode, reboot recovery. Et puis ça, format user data. Voilà, donc ici. Pour tous ceux qui ne comprennent pas anglais, c'est très simple. On dit reboot download. Reboot download. Ça, c'est. Reboot, ça, c'est redémarrer. Donc, vous voyez. Donc, ici, lorsque vous allez utiliser, même vous verrez de vos problèmes ici. Il est pas en charge aussi. Les emails, les côtés réseau. Voilà. Donc, ici, celui-ci, en tout cas, c'est très bon. C'est très bon. Voilà. Celui-ci va vous permettre de faire tout. Même LG, même ZTE, même Motorola, le téléphone là, en leur fonction,
dans sur le ciel. Vous voyez ici, lorsque vous cliquez sur Oppo, regardez sur le téléphone qui est affiché ici, c'est Oppo qui est là. Donc vous voyez ici un petit carton. Donc ici, quand tu regardes ici, Oppo Demo Remove. Vous voyez ici, Oppo Demo Remove. Voilà, donc ici, on regarde aussi dans FRP. On regarde dans FRP. Vous voyez dans FRP. Nous avons format data et puis remote FRP. Donc on revient encore dans MTK Tool. Mais c'est pas trop important. Ce côté ici qu'on a, on va m'y expliquer après. Donc ici, je vais revenir dans FRP. FRP Tool. Donc si vous venez sélectionner votre modèle de téléphone ici, vous voyez ici, voici les différents modèles de Oppo ici. Nous avons A30, A33, A37. Ainsi de suite, vous cliquez seulement ici et vous venez appuyer sur Remote FRP pour pouvoir bypasser le téléphone facilement. Vous voyez, je vous dis bien, ce logiciel est très facile à utiliser. Voilà, donc ici, on continue toujours. Si vous avez d'autres modèles aussi que vous voulez faire, vous pouvez bien choisir à nouveau. Voilà, donc ici, après ça, je vais venir encore sur. Je viens ici sur Xiaomi. Donc Xiaomi, vous venez ici, il y a FRP. Lorsque le téléphone est à processeur MediaTek, on revient dans MTK Tool et on vient sur Mi Account Bypass. Vous voyez? Voilà. Donc ici, si vous voulez bypasser le compte Google de notre Xiaomi, vous pouvez venir directement ici sur le processeur est MTK. Voilà. Donc ici, je dis bien, c'est très facile, très simple à l'utiliser. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous ai dit à mieux comprendre sur le ciel. Voilà, le ciel, je l'ai testé moi-même. Avant de tester, avant de faire une vidéo dessus, je prends le temps de tester et de voir la fiabilité avant de partager avec mes abonnés. Donc, suivez toujours mes vidéos. Pour suivre mes vidéos, abonnez-vous et appuyez la cloche de notification. Pour ne pas manquer à mes vidéos. Ok, donc ici je continue toujours et aussi on essaye avec Vivo. Ici on vient aussi dans FRP Vivo Demo Remove. De toutes les façons, lorsque c'est MTK, vous venez toujours dans Vivo dans Demo Remove, comme pour Xiaomi, qu'on avait vu précédemment. Donc ici, ça c'est Vivo Demo. Vous pouvez venir aussi ici. Vous voyez, il y a Bootloader, il y a Authentic Bypass. Voilà, donc après tout cela, vous pouvez cliquer aussi sur FRP directement. Voilà, donc ici, celui-là, en tout cas, c'est très important aussi. Qui avait sa sortie il n'y a pas longtemps de cela. Voilà, donc ici, si vous êtes la première fois que vous voyez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager avec ceux qui cherchent à se faire former dans. Le déblocage de téléphone. La partie essentielle aujourd'hui qui fatigue tant de personnes, c'est Huawei. Huawei, je dis bien Huawei, c'est un téléphone qui est très difficile à faire les différents bypass. Voilà, donc ici, je mets l'accent dessus avec ces différents logiciels que j'ai fait vidéo dessus dans ces 2 jours. Donc ici, vous voyez ici, c'est un très logiciel aussi, un logiciel très important dans le déblocage de Huawei. Donc ici, regardez très bien ici. On dit Huawei FRP Remove. Lorsque vous venez à FRP ici, regardez la liste de tous les téléphones compatibles avec ce logiciel, à savoir le Honor, nous avons le Honor, nous avons le Y, nous avons ainsi de suite là-bas, le P. Vous voyez, pourquoi c'est un logiciel qui prend en charge la plupart des téléphones. Vous voyez ici, tous ces marques de téléphones. Que vous voyez, ces séries de téléphones que vous voyez, ce sont des séries de téléphones de Huawei. Il est bien Huawei. Voilà, donc ici, toutes ces séries de téléphones, celui-ci prend en charge le déblocage. Si c'est bloqué, si vous avez oublié le code, vous pouvez venir directement utiliser celui-ci et faire le bypass de votre téléphone. Ok, donc ici, on continue toujours
Lorsque vous venez choisir le modèle ici, directement ici, vous pouvez appuyer sur Remove FRP. Vous voyez? Donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.